Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une nouveauté qui est sortie en novembre-décembre 2017. Je remercie mon partenaire Légion Distribution de me l'avoir fait parvenir. C'est le jeu Aristeia de Corvus Belli, le jeu de sport ultime où vous allez incarner différentes équipes et marquer des points de victoire dans l'Hexadome, donc qui est retransmis chaque fois en direct dans l'univers d'Infinity. Alors, j'avais fait une vidéo avec Alex de Hobbyshop sur la découverte de ce jeu. Et là, je viens juste de recevoir la boîte. Donc, on va d'abord faire l'unboxing du jeu avant de diffuser la vidéo de découverte. Donc, Aristeia, c'est un jeu qui se joue pour 14 ans et plus, pour deux joueurs, et d'une durée approximative de 60 à 90 minutes. Donc c'est un jeu de tactique pour deux joueurs. Vous devez prendre le contrôle d'une équipe et vous allez combattre pour la richesse et la gloire devant des millions de téléspectateurs galactiques. Hein, comme je le disais, on est dans l'univers de Infinity. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le déballage de ce jeu. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Oh, voilà, c'est un petit peu lourde quand même. Alors, nous avons la Ligue. La Ligue, donc, vous voyez que c'est un jeu d'origine espagnole. Hein. Voilà, Infinity. Nous avons le guide d'accès à la sphère humaine. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Alors vous voyez qu'effectivement c'est un jeu avec une tendance très très manga au niveau des dessins. Donc j'ai déjà fait un tuto de peinture style manga de mon ami Maurice de la chaîne G2D. Donc c'est vrai que c'est quand même des peintures qui diffèrent totalement de ce que je fais habituellement. Et c'est bien sympathique. Donc là je suppose qu'on nous présente les différents personnages. Donc il me semble de mémoire qu'on a 8 figurines en l'intérieur de cette boîte. Voilà, bien sûr, on revoit l'opération Ice Storm dont j'ai fait l'unboxing. En partenariat toujours avec Légion Distribution, là nous avons le comment jouer. Donc il n'y a pas excessivement de pages. Voilà, nous avons, si je ne me trompe pas, l'Hexadome, donc, qui est la surface de jeu que nous allons voir un petit peu plus tout à l'heure. Les différents dés que nous allons retrouver dedans. Voilà, toutes les phases de jeu. Alors il y a à peu près une quinzaine de pages. Voilà, 15 pages de règles. Voilà, c'est pas excessif. Et le fameux Hexadome, dont on regardera tout à l'heure. Donc ça, ce sont les tableaux de bord des joueurs. Vous voyez, deux couleurs, verte et orange. Et ici, on a les pistes d'initiative, hein, de mémoire, par rapport à ce que j'ai vu à Hobbyshop. Nous avons des planches de pions, avec les points de vie, avec des effets. Voilà, des pions d'effet également. Voilà, pour cela, on a un petit truc de stickers. Alors, je sais pas trop où ça se colle. Aristeia, le guide de référence. Donc c'est bien fourni. C'est bien fourni en documentation dans ce jeu. Les marqueurs, enfin je pense qu'il y a un récapitulatif. Les scénarios, parce qu'on a des scénarios également pour marquer des points de victoire. Au niveau du jeu, on a quelques cartes. Alors on va regarder ça plutôt en zoom tout à l'heure. Ainsi que des cartes de tactique pour développer ses propres tactiques. Donc les fameux dés spéciaux. Donc ça on va regarder tout en détail. Ainsi que les figurines. Alors là il y a 2, 4, 6, ouais il y a 8 figurines. Alors je regarde s'il n'y a rien en dessous. Bien souvent, hop, non, c'est bon. Mais écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est on va jeter un petit coup d'œil en détail au niveau... enfin, en détail, je ne vais pas tout spoiler les jeux, je vais juste vous montrer quelques cartes. Cartes tactiques et les cartes d'initiative. Alors voici les cartes d'initiative. Donc d'après ce que j'ai compris au niveau du jeu, j'ai vu une petite vidéo en anglais, parce qu'il n'y a pas de vidéo en français pour l'instant. Il semblerait que chaque joueur a son tableau de bord et il devra retourner
les initiatives, me semble-t-il, pour jouer, activer les figurines. Et celui qui a la plus haute initiative pourra jouer en premier. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris. Hein. Je ne suis pas totalement bilingue au niveau anglais, mais d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis, on devra combattre avec différents dés, avec différents symboles dessus, tels que des boucliers pour la défense, des étoiles pour les touches, différents autres symboles qui vont signifier quelque chose. Voilà, donc là on va combattre avec tous ces dés de couleurs. Ce que je vous propose de regarder, c'est les cartes tactiques. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer au niveau des cartes tactiques. Voilà, différentes cartes que vous allez pouvoir jouer dans le jeu. Où vous pourrez par exemple ajouter un dé jaune à votre dé, un dé orange, un dé bleu, aller chercher des cartes tactiques dans votre deck, car il y a un deck de cartes à jouer contre l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal, toujours ce petit côté manga bien sympathique, bien coloré. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde un petit coup d'œil aux cartes des personnages. Allez, voici quelques cartes de personnages. Donc nous avons sur ces cartes toutes les caractéristiques liées au personnage. Donc nous avons l'initiative, la vitesse, l'énergie, nous avons également l'attaque, hein, la force. Nous avons la défense, l'agilité ici, et puis quelques compétences automatiques. Et différentes autres compétences que pourra utiliser le personnage au cours du jeu. Et puis nous en avons 8 cartes. Donc là je vous présente simplement les différentes 3 différents personnages. Allez, je vous présente l'Hexadome. Donc là où nos personnages vont combattre, vous verrez qu'il y a hop, 2 phases différentes, hein, qui est fort sympathique. Donc nous avons différentes zones également, en fonction de ce qu'on devra faire, des zones de déploiement. Vous aurez des scénarios, vous devrez marquer des points de victoire, éventuellement dans la zone centrale. Toutes les cases en noir sont des cases bloquées, donc on ne pourra pas les traverser. Ce que je vous propose de faire, c'est... On profite du dôme hein, pour vous présenter les différentes figurines du jeu. Allez, on va faire le tour des figurines présentes dans ce jeu. Voici le Major Luna. Nous avons 8 balls qui ressemblent fortement à un panda. Nous avons Gata, la panthère rose. Allez, je vous présente un personnage connu, Miyamoto Musashi. Musashi, donc, hein, autrement c'est un vrai personnage du Japon médiéval. Donc là, ils ont juste changé de nom, Musashi. Voilà. C'est très un petit clin d'œil. Nous avons Wild Bill, le cow-boy de l'espace. Nous avons Parvati, la combattante habillée en vert. Nous avons Maximus, un gladiateur puissant. Et pour terminer, nous avons XX3R, donc la dernière combattante de l'Hexadome. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je n'ai pas voulu volontairement rentrer dans les détails de ce jeu, car il y a une vidéo qui va sortir, une vidéo découverte d'Aristeia, mais vous l'aurez compris que c'est un jeu qui se joue à base de deck building également, où vous pourrez développer différentes stratégies, marquer des points de victoire dans des zones. C'est un jeu très fluide, on est bien loin de la complexité d'Infinity. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao !